traîné par terre. Et je peux pas l'utiliser. Parfait, on se retrouve pour la VOD. Je suis hyper fan parce que du coup, quand j'arrête ma VOD, ça fait à bientôt. C'est parfait. Et en plus, tu remercies. Je allez, remercie quand je relance la VOD. Ah, ces escaliers de l'enfer. J'ai trouvé plus visible dans l'ancienne version les escaliers pour le coup. C'est pas faux, c'est pas faux, on a l'exemple là. C'est hyper moche en vrai. C'est ça. C'est tellement moche que tu les vois de loin. Mais c'est vrai que maintenant c'est le problème de pas mal de jeux. Oula, il y a un diamant. Le diamant il est pour Simon. T'es où? Tiens. Merci. Ouais, il y a pas mal de jeux maintenant qui sont tellement beaux que finalement on voit plus ce qu'il y a à l'écran. À quoi ressemble mon armure d'eau sans... Ah ouais, la vache. Ça a rien à voir. Putain, c'est monstrueux quoi. C'est un tel bordel à l'écran. Je comprends rien ce qui se passe. Ah mais c'est le druide ça. C'est le druide effectivement. Il faut le feu à la moitié de la map. On est en normal, Phoenix. En normal, on commence justement le let's play de l'assassin de l'IA. Et franchement, jette un œil à mon armure d'os qui tourne autour de moi avant et maintenant. Hein, tu vas kiffer, Matt, je pense. Ah, effectivement. Il est passé où le speed? Je me sens tout seul là, vous êtes. Mais pas suivi. Ah, mais t'es remonté. Tiens, On a fait le tour déjà. Je sais pas, le passage souterrain était pas censé aboutir quelque part? Non, ça c'est le deuxième niveau. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est au premier niveau que tu passes à la zone d'après. Ouais. Y'a me souvenais plus. Même pas le temps de prendre ses stats, quoi. Ah bah, mais ouais, ça va tellement vite les niveaux. Si vous voulez. Oh non, ouais, après, de toute façon, on prend le temps, on peut rattraper, hein, c'est pas non plus. De toute façon, au pire, si tu vas trop vite, tu décèdes et puis. Alors, je sais qu'il y a des viewers qui, s'ils tombent sur ce let's play, qui vont piquer une crise de me voir utiliser des points pour prendre du mana. Mais, moi, je compte jouer mana et j'ai pas envie de m'emmerder avec 2 millions de potions. Donc... Ouais. Tiens, Speed, t'as une barbiche là qui traîne si tu veux. Ça fait une heure que je la traîne. On va essayer de te la filer. Non merci. D'accord. Super, bravo. Je pense qu'il a dû la voir et que... Il est passé à côté totalement ciment. Mais tu peux pas la prendre à une main d'ailleurs. Pas pour l'instant, je crois pas. Qu'est-ce que j'ai comme compétence là? Et là normalement il y a un portail pas trop loin. Ah bah d'accord. Suffisait d'en parler. Non, je peux prendre une arme dans chaque main, mais... C'est... F3, F2... D'accord, F2... Ah bah ouais, ils crèvent plus vite tout de suite quand ils sont maudits. Là, le signe. Tu as pris le portail? Ouais non, je finissais 2-3 petites merdes qui traînaient. C'est où je suis, où il y a le portail. Hop là, cette fois je clique dessus, je me dis pas, ah il y a des lumières, c'est bon. Et ciao Ziglo, merci d'être passé, profite bien de ta fin de soirée. Ouais, j'ai trouvé un casque spécial barbare mais qui a rien de particulier donc je suis pas sûr que ce soit... Tiens, il y a un truc pour toi là, Signe. Ah. J'en ai chopé un casque déjà. Où est-ce que t'es? L'arc de chasseur, on peut l'affiler à... Ah mais j'ai plus mon mercenaire, il est décédé. C'est triste. Ah ouais, c'est possible, ouais. Bah du coup ça te fera un squelette en plus. Tiens, là, par terre le jaune, la tête. La tête. Merci. Ah oui, c'est vrai que ça diminue la vision.
Ah là, tous ces portails. Non mais il est parti, c'est bon. Impossible à faire ici. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est virer toutes les potions parce que il y en a plein qui tombent par terre. On en a pas besoin. Ça va faire de la thune. Moi, par contre, je vais virer plutôt aux potions de mana si vous voulez. Non, merci. T'as dit quoi? Je vais récupérer vos potions de mana. Ah, tu veux récupérer, je croyais que tu offrais des potions de mana. Non, bah moi je m'en sers aussi, donc du coup... J'ai une potion de rajeunissement, ceux qui veulent. Non, je suis déjà assez jeune, comme ça c'est bon, pas la peine de rajeunir. Bon, du coup, champ de pierre. Je vais finir par lui acheter du stuff aussi, moi, parce que... Ça veut pas tomber. Hop. Qui c'est qui a le parchemin pour le lire? Il est là. Tiens. Vous êtes où? Ils sont tous partis. Champ de pierre, vous avez dit. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est Speed qui a le... Non, j'ai pas de parchemin, moi. Je te l'ai donné. Ah, ok. Go. Direction Tristram, donc. Ça va plus vite, hein, quand même, à 4. Ouais, j'avoue, là, on trace la route, hein. Non, pas Tristram, Tristram. C'est tout ce qu'il reste de Tristram. Juste au moment où j'ai balancé toutes les potions. On le sent quand même quand je les maudis un peu, je suis content. Peut-être servir que à ça de tout le play, vu que je galère à faire quoi que ce soit d'autre. Bah tu as les invocations, au bout d'un moment t'auras des millions de squelettes. Ouais mais justement ça moi je vais pas jouer invocation parce que au final le problème c'est que contre les boss ça sert à rien quoi. Enfin y'a plus de cadavres au bout d'un moment donc. C'est pas faux. Je me disais que en multi ça serait probablement pas très très utile les invocations. C'est pour ça que je voulais tester d'autres trucs. Mais... C'est peut-être une idée de merde. Au contraire, hein. Parce que comme justement les autres sont là pour. Pardon. Pour encaisser, tu veux dire? Ouais, face au boss, si t'as plus de squelettes, comme il y a les autres qui vont tanker, etc. Ouais, du coup, c'est bien si justement je peux avoir quelques autres trucs, non? Bah, c'est toi qui veux. Je pense que tu fais bien de jouer soit os, soit poison, mais sinon tu vas t'embêter. Ouais. Invocation, c'est bien quand tu joues en feuille. Bah, c'est un peu ce que je me disais, ouais. Bah, un solo, pareil, hein, quand t'as plus de squelette, face au boss, ouais. Mais que t'es tout seul. Tu fais un TP et puis tu vas te refaire ton armée, puisqu'il récupère pas sa vie ou très peu. C'est vrai. Partez immédiatement. Je vous remercie. Tekar Kain. Le mec, son lore, c'est de se faire capturer dans les épisodes, quoi. C'est un truc de fou. C'est ça. Toujours. Et en plus de ça, il s'ouvre un portail perso. Il laisse pas passer les copains, quoi. Classique. Alors qu'on vient de le sauver. Chacun pour soi, évidemment. Et surtout, il avait un portail, mais il l'a pas ouvert dans sa cage. C'est vrai. Il nous a attendu, mais juste pour le principe. C'est ça. J'ai des anneaux, des amulettes, je sais pas s'il y en a qui sont intéressés. Il y a de la deck, il y a un peu de trucs comme ça. Bonjour. Je vais poser par terre, regardez. Il y a de la dextérité, il y a pas grand chose. Mais... Je ne peux pas l'utiliser. C'est mieux que rien. Force nécessaire 22, elle peut pas utiliser. Ah zut. On peut pas lui mettre d'arc long à notre copine là. Diantre. Ouais, j'ai un anneau plus 10 au froid aussi, si vous voulez. Tiens, j'ai un truc avec de la force et de la résistance au feu.
Moi je ramasse tout moi. Vas-y. Parce que là j'avais un truc, plus 35% d'or supplémentaire sur les monstres, mais c'est Speed qui ramasse tout de toute façon. Donc, Plus 35% d'heures supplémentaires pour Speed. C'est tellement ça. Je t'ai filé 1000 balles, je suis là. C'est vrai, il faut rembourser les 1000 balles que tu m'as filé au début. Ouais. Je pourrais améliorer vos équipements. Moi, j'ai plus 5% de chance d'avoir des objets magiques. Bon, j'ai tapé dans le stuff de la sorcière pour avoir les bagues et objets magiques. Alors d'ailleurs, Josiane, elle en est où? Elle en est, il n'y a rien dans son arc. Ah ok. On peut pas foutre la jambe de Wirt dans le truc partagé, quoi. Non. Ce qui est génial, c'est que le message apparaît derrière la fenêtre du coffre, donc je l'avais pas vu. Bon, c'est quoi la suite? Non, on est censé... Vous avez risqué votre vie pour sauver Kane. On est censé chercher la tour. La tour oubliée. Nous devons lui demander conseil. Ah, il me manque 11 points d'XP pour le niveau d'après, quoi. C'est la tristesse. Attends, ça vient. T'inquiète, un coup de monstre, c'est gagné, tes 11 points d'XP. Plaît-il ? Le Qatar Safran. Résistance à la foudre, 8%. Ah oui, on l'a laissé. Mais bon. Ah, je t'ai oublié, toi. Je vais le virer aussi. Un anneau 12 de score d'attaque, ça t'intéresse pas, Speed? T'en fous. Il fait que ça, ou il fait autre chose? Il fait aussi 29% d'or supplémentaire. Ah oui, ça m'intéresse. Ouais, faut savoir lui parler. Je voulais vérifier. Je te pose ça là. Bouge pas. Tac. Merci. Ça va être pour Speed aussi. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai une ceinture pour toi éventuellement, mais elle est pas trop défense 3 et plus 2 à la force. Non, parce que là j'ai chopé un truc avec 8 emplacements, alors... Ok. Pour les potions de barbare, c'est mieux. Je vous attends au bois obscur. Le sort que je ne comprendrai pas, je crois, la malédiction qui diminue la vision des monstres. Quel est le délire? C'est pour les tireurs, ceux qui sont devant. Ouais, enfin... Je veux bien, mais bon, les mobs, quand t'es dans la mêlée... C'est qui? C'est Daskar, ça? Oui, c'est moi. Attends, bouge pas. Ah, merci, mais on se prend l'XP. Merci pour le mana. Bah y'a pas de quoi. Ouais, y'a des potions de mana partout. Des potions de vie aussi. J'entends des gens qui crient. Ah mais oui, petite merde là. Tiens, une armure matelassée, machine. C'est pour toi. Merci. Des potions. On cherche quoi, la comtesse, là, c'est ça? Ouais, exact. Vous trouvez la direction des marais. Oh, Daskar, il a trouvé le truc d'XP.
Ouais, tu vas pas cracher dessus, t'arrêtes pas de les prendre depuis le début. J'en ai pris un. Non, t'en as pris au moins deux. C'est pas très grave si vous êtes hyper attentif, hein, en vrai. C'est pas absolument pas grave, mais... On trompe pas l'œil du vidéaste, c'est pas possible. Et alors, j'ai pris combien de charmes depuis le début? Voilà, ça va être le... Les charmes, ça je sais pas. Ce que je sais, c'est que moi j'en ai pas un seul, et je sais que Speed en a pris au moins deux. C'est par là le marais sombre. Ouais, je prends les paris pour cette fin de vidéo, du coup. Parmi les quatre là, personne qui sont dans la partie, enfin les trois. Je prends vos bêtes, combien j'ai de charmes dans mon inventaire? Je dirais environ 5 ou 6. Moi je dirais pas plus de 3. Bon bah 4 alors. Ok, réponse au prochain épisode. Là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Oh, ça tease. Oh. Ça tease à fond et le résultat c'était 4. Voilà. Et voilà. Salut, au revoir tout le monde. On se retrouve sur la vache, pour la suite de nos aventures avec Signe Noir que vous venez d'entendre, avec Daska, avec Speed, un nécromancien, un druide et un barbare en compagnie de Lia, notre assassin. Et direction Comtesse dans cet épisode. Comtesse est probablement la fin de l'acte 1 aussi. La vitesse où on va. C'est qu'on trace, hein. C'est fou. J'ai un petit bouclier jaune qui est pas mal avec des résistances, je sais pas si on en veut. Daskar. Pas lui. Le bouclier. Non, merci. Alors je crois que j'ai des trucs pour Daskar. On va laisser ça en plein milieu, il va se débrouiller. Ça on s'en fout. On peut laisser celle-là aussi. Les potions de vie pour qui veut. Et des nouvelles stats pour nous. On est à 65 en vitalité. Fais une tête pour toi. Pour moi? C'est trop gentil. J'aime ces gens qui pensent à moi. Attends, je me fous juste de l'armure, excuse-moi. Je suis pas assez fort pour porter mon armure. D'ailleurs, j'ai pas vu à quel niveau on était. On est niveau 10 maintenant. Incroyable. Et du coup, on a le 1 à 2 points de dégâts de feu qui vient de s'activer. Les hautes terres de Tamoé, je crois que c'est pas par là qu'on va. Ouais, effectivement. Il faut qu'on trouve le portail et puis la tour de la comtesse. Ici, il y a le gouffre niveau 1. J'ai confondu Josiane avec avec nos collègues. Ouais, mais t'es quand même toute seule, hein. Enfin, tout seul en l'occurrence. Ils sont dehors en vadrouille. Je suis avec toi là, mais. Ah oui, bah oui. Okay. Écoute, on peut se faire le gouffre tous les deux, hein. Allez, c'est parti. Ça leur apprendra à se barrer sans nous. Amusez-vous, on va faire les quêtes principales. C'est peut-être ta chance d'avoir des pièces d'or. Les premières pièces d'or que je pourrais ramasser depuis le début de la partie. Ah ouais, alors dès qu'on parle de pièces d'or, bim, ça y est, il y a plein des éléments qui arrivent en masse, quoi. Toujours. Je vois. Bah, je suis un scaven de base, hein. Tout ce qui brille, ça m'intéresse. Mais t'avais une arbalète dorée si tu veux dans le coin. Ça me sert pas donc j'utilise. Ouais, mais ça fait des sous. J'espère aux autres. Bon, le. Je ramasse mes propres sous. La petite malédiction qui fait que ça fait 100% de dégâts en plus, plus la petite explosion du druide, je pense que. Ouais, c'est le combo là. Efficace. Rien qui traîne par terre à part des potions. Machine, tu peux peut-être utiliser ça, t'as 20 de force toi. Merci. Ouais, parfait. Hop.
J'ai trouvé la tour de la comtesse. Je vous attendrai là-bas. Je veux bien que tu mettes un portail à côté, Speed, s'il te plaît. Ouais, je vais mettre ça, mais c'est parce que je cherchais le téléporteur. Décède, oui. Ah. Ah oui, mais non, ça c'est pour les sorcières. Mais... de la mana. Ah ouais, de la mana, tiens, ouais, de la mana. Bon, 70 en vitalité, c'est déjà pas mal. Peut-être passer à autre chose maintenant. Je suis trop chargé. Merci. Ça marche, hein? Ouais, ça marche. Je crois qu'on a perdu l'IA, Oscar. Non. Moi, je suis passé en bas dans la grotte. Récupération très rapide. Non, je suis en bas de la carte, juste. Ah, en bas de la carte, d'accord. Ça, est-ce qu'on peut pas lui donner, par exemple ? Si tu peux l'utiliser. Ça fait quoi, une boule dans un couloir d'étranglement ? Mal. Bon, ah, Josiane se sent plus forte, nul. Incroyable. Le coffre. Oh oui, le petit placement de malédiction juste au moment où ça explose. Il y a une cervelière si tu veux du coup. Hein. Purée. On vient de trouver deux charmes en deux coins de couloir. Du coup, t'es passé à 6 charmes. Exactement, tu fais bien de suivre le compte parce que la question pourrait être reposée plus tard dans le let's play. Je savais pas si t'avais répondu pour la VOD d'ailleurs. Alors la réponse était 4, mais il me semble que effectivement. C'était Speed encore qui avait trouvé. C'est le talent, il a bien suivi. Voilà, on a fini un gaufre niveau 2 tout seul. GG. Ouais, pas grand chose en même temps. Non, il y a juste un petit mob épique. Ouais, j'ai pas tout à fait fini, si jamais vous repassez dans le coin. J'arrive. Et signe, j'ai une tête de machin sertible. Bah là ça pour l'instant j'ai une tête jaune, donc je pense que. Ok. C'est difficile de faire mieux pour l'instant. Mais... Bon, après le bonus qu'elle me donne est à chier. Le truc de la malédiction de vision, sérieux, c'est vraiment naze. Mais... Quand on voit qu'on va tellement vite, il y a de l'or qui traîne partout, c'est la teuf quoi. Tiens. En attendant, j'ai mis un portail sur le TP. Comme ça, vous pourrez le récupérer. Bah, du coup, tiens, hop, portail. Il a tout nettoyé, là, c'est pas la peine de se balader. Ouais, en bas, il reste plus rien. Où ton portail? Ah, il est là. En bas à gauche. Tac. Il y a trop de portails ici. Faut prendre le mien de portail pour aller au TP. Alors, elle a filé un anneau, mais du coup, est-ce que tout le monde l'a... Tiens, bah c'est un plus 2 de force. Sans vire, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a identifié là? Ah oui, ça. Champ électrostatique plus 2 à 13. Est-ce que quelqu'un fait une sorcière à côté? Parce qu'il y a. Je mets ça à côté du coffre. C'est quoi ce champ de pierre? Speed? Oui. Pourquoi tu fais des trous? La mare est sombre. J'espère que je vais pas tomber dedans.
Ça, c'est à cause de nécromancien, encore une fois. Je me suis planté de portail. Moi, je fais rien, moi. Je suis un mec gentil. J'ai chopé une baguette plus 2 aux maîtrises des squelettes ou plus 1 au golem d'argile. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, pourquoi pas. En attendant, faute de mieux. Ce business, quoi. Écoute, hein. Tu sais, il va prendre mes baguettes et il va les revendre. Bah, je regarde, surtout celle qui a 2 à 5 de dégâts, à la limite. On se fait des pièces d'or comme on peut, hein. Exactement. Tac. Et maintenant, on va pouvoir aller voir la comtesse. J'avais trouvé sa forteresse. Nice. Pour une fois que c'est Babar qui trouve les solutions, c'est bizarre. Parce qu'un Babar, normalement, c'est un peu idiot. Hein. Écoute, la nôtre est efficace, donc on va pas s'en plaindre. Hein. C'est sûr. Hop. Il faut un TP pour vous, ou c'est bon? Non, on est en train d'attendre Signe qui arrive. Bah ouais, je charge des cadavres, ils ont tous disparu. Ils ont tous brûlé. Ils sont morts. Tiens, depuis trop longtemps. Là. Oh, c'est bon, j'ai trouvé le nombre qu'il me fallait. On va refaire des cadavres, sinon t'inquiète pas. Ouais, je m'inquiète pas plus que ça, honnêtement. Cet endroit pue la mort. On comprend rien ce qui se passe, on voit qu'il y a une troupe près de la porte. Quand il y avait des gens, ils sont décédés. Il est par là, la sortie est par là. Pardon, vous voulez oui, faire tout le niveau ou vous voulez aller aux sorties directes? Bon, en même temps, on était au bout du couloir, il n'y avait pas grand chose. Bah, tu verrais, c'est pas des boss ou des petits mobs secondaires à trouver qui donnent du bon stuff. Ouais, genre là, ça il y a un saphir dans un tonneau. Pourquoi taper sur des boss quand t'as des saphirs dans un tonneau, franchement? Mais oui, donnez-nous une émeraude, incroyable. Non, mais c'est Speed, il veut que taper lui, il veut taper, non? Moi je vais direct à la comtesse. Mais comme Speed il tape les mobs, moi je tape les tonneaux. Chacun son truc. Ah, vu que l'XP est partagé, ça se voit, hein. Tu prends le loot et l'XP. C'est ça. En charme. Trop lent. Ah ouais, mais 27% d'or supplémentaire sur les monstres. Peut-être qu'on va quand même faire l'effort à le donner à Speed. Ça. Non, j'ai pas besoin d'or, t'inquiète pas. Potion. Ah, je file le charme, c'est pour brouiller les pistes. Ouais, maintenant, combien il en a? Attention. C'est ça. Ah, je sais pas si tu l'as acheté par terre, mais je l'ai pas ramassé. Hein. Je crois que je l'ai ramassé, hein, sans faire exprès. La vengeance du cygne, incroyable. Ah non, le rends pas, garde-le, pour toutes les pièces d'or qui t'a piqué. Ouais, mais en même temps, il m'a quand même filé 1000 balles pour en commencer à investir. Mais où sont tous les autres? Ah, mais ils sont déjà partis. Ils sont descendus, ouais. Oh là là, les brutes. Épaisses, les brutes épaisses. 5 niveaux plus bas déjà. T'as vu la technique qu'ils ont trouvé pour. L'état de cadavre. Pour faire les charmes avant toi, là. Ils nettoient les niveaux avant toi. Non, c'est pas vrai. Mais je me demande si d'ailleurs l'assassin est pas le personnage le plus rapide des 7, parce que les speedruns se font avec celui-là. Ah, c'est vrai. Après ils se font il y a un joyau pas identifié qu'on peut donner éventuellement à Josiane. Bon. Hop, hein. Tiens. Ah non, on va lui donner du poison. Alors si jamais vous trouvez un casque à sertir, je veux bien pour la Josiane. Merde, qu'est-ce que j'ai ramassé? Moi j'aimerais bien déjà avoir un casque tout court à lui mettre. T'as même pas de casque? Je crois pas. Mais... Non. J'oublie tout le temps d'en ramasser en fait. Du coup... Ah,
Oh, la quête qui s'active quoi. Alors qu'on est encore deux niveaux au-dessus. C'est ça. Dépêche-toi parce que en bas il y a des pièces avec plein de pièces. Bah ouais, je sais, mais bon. Je suis tranquillement en train de faire mes niveaux, les mecs ils courent comme des brutes quoi. Je sais même pas où est la porte. Là. C'est à cause de speed. Ça, j'en doute pas un seul instant. Vous voulez pas crier fort qu'on sache où vous êtes ? Ici, ici ! Oh, des pièces ! Oh, plein de pièces ! Oh. Oula ! Ok, il y a des mines. Oh, des pièces ! Voilà ! Ah, il y a des flammes partout, on sait qu'on a dû rattraper ça. Oups ! Il y a du décès là. Wow. Il y a 400 balles qui ont été... Ah mais il y a le cadavre entier même de la sorcière qui a été laissé, de la sorcière, de l'assassin. Je veux bien un portail s'il vous plaît. Je t'en fais. Je suis malheureusement décédé moi aussi. Je vais faire un portail. La cave de la tour. Alors attendez, 180 balles. Alors pourquoi pas. Et avant... Voilà, merci. Oups. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a gardé nos charmes. J'ai pas eu le temps de sortir. Ah ouais, elle est vénère, hein. C'est-à-dire ? Tiens, si tu veux, j'ai un casque à sortir, si tu veux aussi. Ouais, mais c'est pour... C'est qu'un casque pour druide, ça, non ? Non, non, c'est un casque pour tout le monde. Ah ouais, il me semblait que c'était que pour druide, ces trucs-là. C'est bon, on peut y aller ? J'ai pas ressuscité Josiane, donc du coup, tant pis. C'est bon, on peut y aller, mais en fait, elle est déjà à moitié morte. Ouh, la rune, elle a disparu très vite. C'est moi qui l'ai prise. Ouh, un truc de fou. C'est beau. C'est beau. Mais on voit ceux qui sont déjà en train de courir pour ramasser les pièces d'or. Alors, 1 à 2 points de dégâts de froid. Je pense qu'on va prendre celui-là, même si on va perdre des dégâts. Parce que le froid, c'est cool. Ok, alors les potions. Dascar, t'es dans les parages ? Oui. Des potions de mana là qui sautent. Il y a ça éventuellement si ça intéresse quelqu'un. Bon, ça on vire. Tiens, le signe, j'ai un truc pour dents là. Une tête avec plus un dent, je sais pas si ça t'intéresse. Ah non, non, c'est gentil. Le mien, c'est, ça reste un jaune celui que j'ai, donc même si son bonus est pas ouf, tout le reste autour. Ça ajoute du poison, des points de vie, plus 7 à toutes les résistances, et en plus ça fait des dégâts aux adversaires. Bon. L'un dans l'autre, c'est pas si mal quoi. Bon, je fais un portail pour dans la ville, pour vendre. Bah, j'ai fait un portail déjà, si vous voulez le prendre. Cette orgie de Porto. Et heureusement qu'il les vire hein, quand même petit à petit parce que. Bah, y'a des Karken qui se baladent au milieu quoi, si tu veux lui parler, c'est mort. Quel enfoiré. Les blagues de Descartes quoi. C'est trop ça. Je crois que je vais. Je crois que ma machine là. Elle avait aucun pouvoir donc on va prendre quelqu'un d'un peu plus utile. J'ai une amulette plus 9 au point de vie si y'en a un qui veut. Genre toi. Non merci. Alors du coup t'as aucun stuff par contre. Merci. Il nous fallait quoi ? Il nous fallait des gants. J'ai une ceinture plus 5 au mana. Oh ! Ah ça je veux bien ça. Je jette par terre qui veut prendre. Ah ! Ah ! La galère à cliquer quoi. Oh merde. Si tu veux je te l'échange contre une ceinture plus 2 à la force. Non merci. Oui. Et j'ai un crâne abîmé pour celui qui veut. Ça je veux bien, pourquoi pas. Ah voilà. J'étais en train de faire autre chose. Bon, le truc qui file de l'or, on s'en fout. Là, t'es passé devant. T'as marché dessus. Est-ce qu'on va faire se donner ça à Josiane ? Oui, je l'ai pris, je l'ai balancé, je l'ai repris, je l'ai balancé. Ah, j'ai plus Josiane.
Toc, donc tu dis qu'on peut sortir les trucs des copines. Bah du coup, allons-y. Ouais, il faut le faire dans ton inventaire, toi, par contre. Je constate. Merci. Alors, prochaine étape, chercher le marteau dans la caserne. Moi, je vais arrêter mon épisode de VOD là. Donc du coup, dites au revoir la VOD. Au revoir la VOD. Au revoir la VOD.